Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. Aujourd'hui on se retrouve en salle à Escalform pour la démonstration technique d'un exercice pour les biceps. Il s'agit du curl pulley bass à la corde. Le temps de réaliser quelques petites répétitions afin que vous puissiez voir en quoi cet exercice consiste, j'aborderai en deuxième partie, en détail, son exécution technique. Allez, de suite je fais quelques répétitions. Donc voilà en quoi consiste le curl pulley bass à la corde. Alors quels sont ses avantages? Bah le premier avantage, on ne la présente plus, la poulie qui va nous offrir cette fameuse tension continue. Deuxième avantage du curl pulley bass à la corde, comme vous avez pu le voir, le changement de prise qui va s'opérer durant l'exécution du mouvement va nous permettre et va nous assurer de solliciter un maximum de muscles du bras. Bah oui les amis, hein. première partie du mouvement, je vais être en prise marteau. D'accord, ce qui va solliciter le long supinateur, le muscle le plus charnu, le plus massif des avant-bras, mais également le brachial antérieur. À la suite de quoi, je vais effectuer une rotation pour finir en prise supination, là où le biceps va être pleinement engagé. Avec en prime, et ce qui va nous être facilité avec la corde, une rotation externe qui va nous permettre un raccourcissement musculaire maximal et une contraction musculaire optimale. Bah écoutez, sans plus attendre, on passe de suite à la démonstration technique. A tout de suite. De retour pour cette deuxième partie, je vais aborder de suite la démonstration technique. Donc dans un premier temps, je vais saisir la corde en prise neutre. Donc essayez de rester assez proche de la poulie, hein. Si vous vous écartez trop, vous allez perdre cette tension continue, hein. Donc au niveau de la position, c'est du classique, hein, pied écartement à largeur des épaules. Les épaules sont en position neutre. Je gagne bien au niveau des abdominaux, léger flex au niveau des genoux, encore une fois pour limiter la contrainte au niveau des lombaires. Les épaules vont être en position neutre. Et on va, encore une fois, fixer les coudes contre le corps. Aucun mouvement de tiroir, sinon les biceps ne sont pas assurés d'être pleinement sollicités. Donc, début du mouvement, les bras sont tendus, on maintient une légère flexion au niveau du coude. Donc, première partie du mouvement, je vais effectuer mon cœur en prise marteau. Là, ce sont principalement mes avant-bras et mon brachial antérieur qui vont être sollicités. À mi-mouvement, je vais opérer une rotation, d'accord, une rotation des poignets pour finir en fin de mouvement. En supination. Et là, on est certain que ce sont nos biceps qui vont être engagés. Donc, début du mouvement, prise marteau. Là, je vais effectuer une rotation pour finir le mouvement en supination. À la fin de ce mouvement, je vais effectuer une rotation externe supplémentaire pour véritablement raccourcir le muscle un maximum et le contracter. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que, je vous apprends rien, hein, en musculation, la musculation consiste à reproduire les fonctions motrices de chaque groupe musculaire en stimulant leurs fibres avec l'ajout de charge. Et ben les biceps nous permettent quoi? Ce sont des muscles qui sont fléchisseurs, élévateurs, mais aussi ce sont des muscles rotateurs externes. Donc effectuer cette légère rotation externe, comme si je voulais mettre le pouce vers l'extérieur, comme vous pouvez le voir, ça va me permettre un raccourcissement supplémentaire et une contraction maximale. Donc je gagne bien. Assurez-vous et apprenez l'habitude, hein, de vraiment serrer un maximum votre corde, au même titre que toutes les barres et tous les haltères que vous tiendrez dans les mains, ça va vous permettre d'améliorer votre force de préhension, votre force de grippe. J'ai parlé de l'importance de ce grip lors de ma vidéo sur le dead hang. Allez, retournez la voir, c'est vraiment important. Allez, on gagne bien. Bras tendu, léger flex, prise marteau, et je tourne, rotation externe. J'expire en fin de mouvement, j'inspire au retour. Donc testez cet exercice, hein. Il est assassin au possible. C'est vraiment, personnellement, c'est un de mes exercices préférés pour cet avantage de vraiment solliciter tous les groupes musculaires. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir les amis, hein. Je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier d'un coaching distance, que ce soit en termes de plan d'entraînement ou de plan alimentaire personnalisé.
Le lien sera en description de la vidéo. Je tiens également à remercier mon partenaire Protein Center pour la confiance qu'il nous porte. Je vous invite à aller visiter leur boutique de compléments en ligne. Excusez-moi, il fait super chaud aujourd'hui. La boutique de compléments en ligne, hein, leurs prix sont tout bonnement canon. Et en plus de ça, ils vous offrent moins 10% avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite tous de très bons cœur poulie à la corde. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. Bye bye les amis, ciao ciao, salut. We'll be right back.